Kinoise mokolo ya lelo lundi 29 juillet ba souffrir makasi pona ko se rendre na ba misala na ba wenze pe na ba occupation na bango à cause ya manque ya ba transport en commun awa na capitale ya République démocratique du Congo. Cause liboso ezali grève ya ba chauffeur privé ba taxi bus pe ba taxi ba bimitie mokolo ya lelo pona ko boya tracasserie Oyo bazali ko sibir selo bango na bajon ya ministère provincial ya transport ya ville province ya Kinshasa. Deuxième cause ezali que ba agent ya société ya transport du Congo Transco bazali bango pe na grève. Kasi pona ko palier na situation wana boye ba ke VPM oyo atali makambo ya transport Jean-Pierre Bemba ayambaki mokolo ya lelo délégation syndicale ya Transco Pona kosolola makambo etali fin ya grève na société ya transport oyo eservaka batu ebele na ville province ya Kinshasa. Na masolo na bango esengeli baba ke Monsieur Didier Kibumbu oyo azali président intersyndical ya Transco ayebisi na ba agent pe cadre ya Transco ke gouvernement ya République démocratique du Congo a tenir compte ya ba doléances ya ba agent Pe a promettre kofuta bango 2 mois arriéré de salaire pe andimi lisusu kofuta ba location scolaire d'ici le 15 août ya mois oyo tuzali pona yango Jean-Pierre Bemba VP moya tali makambu ya transport a yebisi na bango ke audit moko ezali koya da 48 heures pona ko établir ba responsabilité par rapport ya mauvaise gestion oyo Ezali ko salema na kati ya Transco pour que ba agent ba servir population kinoise pe congolaise avec impact na idéologie na babis ya l'état. Pense passage. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes. Faire la suite sur les victimes, parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes, nous on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs. Et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux. Pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants, soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui... d'après certains rapports sont des lieux à risque pour de telles activités cela est suspendu et ça sera respecté, le ministre de la Justice est là. Vous avez une situation toujours là depuis journée Bandaki
tout ça qui commission pour la crise pour nous rassurer que que tragédie est à la pire. Alors on a qui Natala par rapport à l'instruction on a ça qui pour la gestion et la prise en charge de la patient soit va rire soit va mêler soit va aller quand même pour voir ici mais sans se tourner dans l'œil. Mais on a couper ça message il y a ma condoléance à la famille de la victime. Que la Sengi, dans la famille Urban Rakenda qui concert, où il va retrouver la moté, c'est la bonne pour les cas. Ah, on a un centre de santé à Vijana, la ligne voilà, on va se diriger dans un centre à Chêne, en Giringiri, parce que la victime qui a une carte d'identité sur Bango. Alors, commission va travailler pour que, pour que justement, la responsabilité soit établie, parce que les alliés m'ont monté. Bilingue, la maman, la papa, baya, la manifestation culturelle, tout bas au coup, misanzambe, bas sur Kabongo, bas comme avant, victime. Donc, toko continue la situation crise, la commission crise pour n'importe quoi tirer la conclusion pour que Maramboyo et ça a mal sauté.